Robe du soir et diadème. Ce jeudi 18 janvier 2024 au Palais Grand-Ducal à Luxembourg, la grande-duchesse Maria Theresa et les princesses Stéphanie et Alexandra étaient particulièrement élégantes pour recevoir les invités de la traditionnelle réception des vœux du couple grand-ducal. Publicité: la grande-duchesse coiffée du diadème de feu, sa belle-mère, l'épouse du souverain du grand-duché, avait opté pour une robe très originale du styliste libanais Eli Saab. En tulle couleur chair et à décolleté bardeaux découvrant ses épaules, celle-ci était entièrement rebrodée d'un motif floral enrichi de sequins dans des tons de rose, de beige et de vert. Elle l'avait accompagnée de la Belgian Scroll Tiara. Cette superbe tiare comprenant 854 diamants provenant du Congo belge avait été offerte en 1953 en cadeau de mariage par la Société Générale à celle qui deviendra sa belle-mère, la princesse Joséphine Charlotte de Belgique. La princesse Stéphanie Floral en Marchesa look également fleuri pour sa belle-fille, la grande-duchesse héritière Stéphanie. L'épouse du grand-duc héritier Guillaume avait, pour sa part, choisi une création de la griffe britannique Marchesa. À manches longues et de couleur blanche, sa robe était parsemée sur le corsage et au niveau de la taille d'un semis de petites fleurs violettes en perles aux feuilles vertes. La maman des petits princes Charles et François s'était coiffée de la grande duchesse Adélaïde Stiara, un bandeau de style empire présentant de chaque côté une branche de laurier en diamant convergeant vers un saphir placé au centre. La princesse Alexandra parée du diadème aux feuilles de vigne en Eli Saab comme sa mère, la princesse Alexandra de Luxembourg, qui attend son premier enfant pour le printemps prochain, avait préféré l'uni. Elle arborait une robe à décolleté asymétrique qu'avait jadis portée plusieurs fois la grande-duchesse Maria Theresa et s'était parée de la Diamond Vine Leaves Tiara, le diadème aux feuilles de vigne de la cassette de la famille grand-ducale.